Désolée, désolée, la vidéo a coupé, mes excuses, comme pour le taureau, je suis obligée de faire en deux fois, alors m'en veux pas, ça va être une petite vidéo de 3-4 minutes. Voilà, donc on continue un petit peu avec le toi si tu es avec un, et donc on était au signe de la balance, il me semble. Donc bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance. Si tu es avec quelqu'un du signe de la balance, ici on a envie d'avancer. Ouais, on a vraiment envie d'avancer. Avec un scorpion ici, un nouveau départ, très très charnel. Sagittaire. Si tu attends des excuses, eh ben tu en auras peut-être, mais pas suffisant. C'est pas suffisant. Si tu attends une ouverture émotionnelle, c'est pas suffisant. Il y a une forme d'immaturité ici. Il y a un manque d'intérêt peut-être que tu commences à ressentir par rapport à une situation. Alors j'avais dit balance, scorpion, sagittaire. Si tu as quelqu'un du signe du Capricorne ici, cette personne elle est bloquée, hein. Elle se sent bloquée, tu te sens bloqué dans n'importe quel mouvement avec cette personne, dans n'importe quelle perspective. Donc il faut que tu prennes du recul. Il y a quand même une forme de sagesse que tu commences à comprendre dans ce lien. Verseau. Si tu es quelqu'un du signe du Verseau, il y a quand même des attentes qui sont décevantes. Tu es un peu déçu. Et avec quelqu'un du signe du Poisson, alors, deux messages. Ne pas éviter l'inévitable. Ne pas refuser de changer ce qui doit être changé. Alors, je ne sais pas comment ça peut te parler. Sinon, peut-être qu'on a une divergence de point de vue, sinon, notamment si tu connais cette personne et que vous avez des projets. Eh bien, il y a une divergence de point de vue, vous n'êtes pas d'accord. Ça peut concerner un déménagement ou un projet plus gros, plus petit, je ne sais pas. Ok. Un message de l'oracle de la magie verte pour toi. Et après, je te laisse, cher Verseau. Alors, Verseau. Qu'est-ce que j'ai pour mes Verseaux? Waouh, j'en ai quand même beaucoup. Hop, on a... Attends, je sais pas, j'en ai un petit paquet. Tiens, c'est encore un peu violet. Concentration. Grande giroflée. Je vais te lire. C'est joli. Il y a quelque chose de il y a une protection aussi. Et là, il y a le signe du Sagittaire. Okay. J'ai parlé de Sagittaire tout à l'heure avec l'énergie de la carte, avec la couleur violette et de l'améthyste. Donc peut-être que tu as du Sagittaire dans ta charte. Alors, on est sur concentration. L'élément air quand même. Enfin, dans les fleurs, pardon. Excuse-moi. Les giroflées offrent confiance, calme et centrage durant les périodes d'agitation et de changement. Il est temps de vous concentrer. De ralentir et de réfléchir plus profondément. Votre vérité personnelle a besoin d'attention, alors ne la laissez pas se perdre dans vos relations actuelles. Les giroflées vous permettent de retrouver un état d'esprit, un état d'équilibre dans les fluctuations émotionnelles. Faites attention à ne pas vous perdre, à trop ressentir celles des autres. Relaxation, complétude, contentement, ralentissement, affection. Donc on tourne effectivement cette concentration vers soi. Mais en même temps, je te l'ai dit, hein, tout à l'heure, je t'ai parlé de faire les choses avec sérénité, je t'ai dit tout ça avec cette force ici intérieure. En tout cas, très beau message pour toi. Voilà ton tirage, cher Verseau. J'espère que cette lecture t'a parlé, qu'elle t'a aidé. Merci de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.